laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rester vivant. L'ami de partout qui soleil là, la vie de lumière et paix à chacun de vous. Amen. Le matin, c'est encore indiscutablement un réel plaisir, un honneur pour nous encore souligner. On a dit tous les comités, les groupes qu'on peut aussi pour nous, qui sont toujours honorés, qui sont toujours soulignés, nous, et pour nous faire travailler maintenant. Et on a dit tout le monde qui a travaillé dans l'Amazon, quel que soit les dieux pénibles, si qu'on sait n'importe quelle situation, soyez courageux. Et c'est là. Thème ça, c'est dans la rubrique ça, nous pouvons rentrer dans la thématique, nous jouons dans Isaïe chapitre 41, verset 6. Et si nous apprenons un volet dans verset 5 là, côté il dit, il s'approche, il vient. Verset 6, il cède l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage, point d'exclamation. Et maintenant, même là, je dis que pour me débuter, soyez courageux, mais je vais surtout mettre l'accent côté, il dit, il cède l'un l'autre. Mais au premier abord, le courage, c'est l'une des caractéristiques des chrétiens, comme étant serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et dès au comportement, nous devons afficher et les que nous devons porter dans nous-mêmes. Et courage ça, nos papes qui amènent nous-mêmes, si c'est pas l'esprit de Dieu. Et nous pas doit quitter n'importe petit bagaille affiché nous. Ni et c'est ça fait que Paul d'un côté il a dit nous soyez toujours joyeux. Faut que ça dit que nous supposer et tant que tel afficher sous visage nous. Nous avons un visage radieux, resplendissant, car nous représentons le royaume de Dieu. Il faut que nous toujours démontrer à tous ce que nous sommes courageux, démontrer que nous avons la force, la détermination, le courage. Et son bagage qui est vraiment important. Il est que nous avons un châtiment dans les épreuves, dans les difficultés. Et souvent, on nous fait face à des situations épouvantables dans la vie, non. Mais des fois, nous avons la présence des maladies côté médecin, pas de garantie, bouche pas goût. Parfois, c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Des cas de décès. Mais nous toujours amenons du courage pour nous braver dans le jeu. Mais comme moi, te dis, non. Et verset A, il gagne deux volets la donne. Moi-même, je vais mettre en face sur le premier segment. C'est il cède l'un l'autre. Et puis, courage. Et si nous avons développé dans plusieurs situations, que le monde a dit nos courage, qu'il a sauté nos courage. Et courage, ça, Jean, où elle écrit avec point devant ça, il y a plusieurs connotations. Mais moi-même, je vais le mettre, et comme elle dit, il cède l'un l'autre, ça a une valeur vraiment significative dans la thématique, là, mes bien-aimés. Et là, nous regardons, il y a un grand et premier commandement, c'est l'amour du prochain. La Bible déclare, aime-toi comme toi-même.
Mais puisque en dedans l'un l'autre là, pas bien Jésus campé, il dit venez à moi vous tous. Et que nous sortis de nulle part. Christ relé nous. Bien qui vient avec toute méfiance. Dieu s'est gagné. Et pas oublier, prophète Esaïe, il tape écrit chapitre ça, c'est un moment et peuple Israël était animé de méfiance. Israël, Esaïe tape écrit pour peuple Israël était supposé mettre confiance dans l'Éternel. Israël était dans des grandes turbulences, des pertes de confiance totale. Et prophète Esaïe, dans l'école de la Renaissance avec le peuple Israël, si nous regardons depuis le chapitre avant, depuis le chapitre 40 là, où il a parlé avec le peuple là, dans verset 26 là, il a dit « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle tout par le nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. » Là, nous encourage là. Et il n'en est pas une autre face du faux. Et c'est ainsi, il venir dans le chapitre 41, et puis nous, ouais, côté, parce que, côté, depuis le verset 40 là, Esaïe a prié pour fortifier eux. Parce que, c'est le Dieu d'éternité en éternité. C'est le Dieu qui a créé la terre avec tout ça qu'il la donne. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne la force, le courage à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et c'est même Esaïe ça. Dans verset 41, ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère courage. Et c'est en même temps une thématique, mes bien-aimés, qui invite nous, l'un l'autre, à reconnaître la valeur de l'autre. Parce que nous vivons dans un monde marqué par l'animosité, par la haine, par la division, par la discrimination de toutes sortes, par des préjugés, des incompréhensions. L'un l'autre, où est le prophète la souligné, mais d'où matin, il y a une valeur vraiment significative. Et courage pour venir en deuxième position. Et pour connaître la valeur de l'autre, ça revêt d'une importance capitale, pendant que la Bible nous enseigne que chaque personne créée à l'image de Dieu. Impressionnons, c'est parfois nous mettons en doute qui est-ce qui crée l'autre là, comme si c'est où qui a une image là dans où. Ou regarder l'aideur l'autre là, ou regarder Miseli, ou regarder, ou poser cette question, est-ce que Samuel là, est-ce qu'il crée à l'image de Dieu? Non. Ça, c'est sexisme, c'est discrimination. L'un l'autre, c'est-à-dire que, ouais, non, l'autre là, il m'ajoute, mettons en place lui. L'image de Dieu, il y a toute catégorie. Ce n'est pas parce que l'image de Dieu, peut-être dans certaines catégories, il ne la donne. Non. C'est-à-dire que c'est, nous créons, nous vivons nos communautés, nos villages. Youn créé à l'image de l'autre. Youn comprend le problème de l'autre. Et je dis à tout écart, nous, dans la société, c'est parce que y a un abîme, y a une séparation, y a un autre qui est tel pas de là, tout ça est moins semblé. Et ça crée toute frustration, ça y est, ou kamikaze, crée une série de bagailles, et le monde qui a demandé règlement de compte. Parce que y a presque dit dans la parole, mais dans l'action, y a. Des manquements, trop égaux,
créé à l'image de Dieu, ça investit d'une dignité, une valeur incontestable et incontestée. En embrassant cette vérité, mes bien-aimés, nous sommes appelés à agir de façon qui reflète la bienveillance et le respect envers chaque être humain. Même là, il n'est pas ta converti, pas dans le même secte, dans la même dénomination avec. Parfois, majorité dans ce stade de parole. Dernièrement, nous avons regardé 79e Assemblée des Nations Unies. Le monde en ébullition. Yon par contre l'autre, puis gros à chercher pour puis gros pour craser, puis petit, des belles discours, c'est un pile contestation dans le discours. Le monde là, tel l'autre là, il est parfait pour une série de monde, comme si doit de l'homme, parfait pour tisser l'homme. Mais bien aimé, nous-mêmes qui chrétiens, c'est nos paroles, nos actions qui pourra le météo et qui pourra le météo dans le ruban de l'évangile là, qui pourra le faire que nous faisons confiance à notre approche de traiter les différences. Et après, nous encourageons, mes bien-aimés, pour voir les autres à travers les regards divins, pour reconnaître la beauté unique, sacrée que Dieu a insufflée à chacun. Nous passer pour nous bailler le temps. Il faut que nous transformions par cette compréhension de la valeur de l'autre. Et ça prend le bas nos doigts pour nous participer à la reconstruction du monde qui s'y pervertit. Pendant que nous sommes dans le monde, nous disons répéter, nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes là pour nous imposer à dignité conforme à la volonté de notre Créateur. Et ça fait, nous rappelons au matin. Et bon Dieu, après la création, la Genèse, chapitre 1er, vous savez, verset 27, il crée l'homme avec femme, bah, aux responsabilités. Et puisque toute bagaille était créée, l'homme venu en dernier lieu. Et nous voyons, ouais, qui salte, vini dio. Nous songez toute l'histoire Genèse. Nous songez qui condition, bon Dieu, bien avec yo. Et même les Jésus, pour aller venir dans le Nouveau Testament, les Jésus venu, Jésus te dit, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et avant la révélation que nous voulons parler de Jean dans l'île de Patmos, qui est automatiquement l'île de l'Apocalypse, et bon Dieu pour révéler ses idées, il y a l'amour qui a parlé maintenant, dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, à continuer. Nous pourrons voir qui ça Jésus pour le dire. Dans 1 Jean, chapitre 3, côté, Jésus, le serviteur, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue. Et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et dans chapitre 4, là, qui pral surtout prêcher que Dieu est amour, côté pral dit aimer Dieu et aimer ses frères. Eh bien, dans le chapitre 4, le verset 7 a continué. Jean pral dit bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point parce que nous avons aimé Dieu, mais parce qu'il nous a aimé à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les autres. Personne n'a jamais vu Dieu.
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Esprit de Dieu matin, imprégnez-nous pour nos chita sous question l'un l'autre. Et c'est ça, c'est vite après le conclu. Avant de révélation, nous profiter matin pour nous rappeler dans deux textes à eux. Le pouvoir de la parole, l'on prononcer ou dire ou remet frem sem, fait sans hypocrisie. Et c'est sa parole l'a dit dans verset et 3 verset 18 là. C'est sa parole l'a dit, oui, n'a pas relu encore. Petit enfant, ne monte pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Entraide, ça ne se limite pas en parole, mais avec nos actions également, agir fidèlement avec amour et vérité, montrer sincérité nous avec reconnaissance dans la valeur de chacun. Et c'est ça qu'on a insisté maintenant. Même là, nous commençons à nous dire, soyez courageux, parce qu'on va vivre avec un pile stress, un pile animosité, on va vivre avec un pile émotion, c'est vrai. Mais nous pas d'accord, si tu as ce courage seulement, sans que nous pas passer, sans nous, si nous t'as seulement passé à pied joint, bah, l'autre, ça. Ça seulement suffit pour tes, si, pour tes sujets, pour tes thèmes de prédilection aux Nations Unies. Il y en a gardé ça qui a passé dans le monde là. La guerre. On a tué le monde pour intérêt mesquin. Parce que sans raison. C'est tout nous-mêmes haïtiens qui vraiment met nos situations. Nous marrons, nous faisons nous marrons, nous prenons courage. Nous faisons nous tourner la risée du monde, nous prenons courage. Yo expulsez-nous, nous amenons des courage. Côté nous passer dans le monde. Si mon peuple et qui amène des courage. Si mon peuple qui est très laborieux, qui a cherché la vie, et ne soit pas identifié l'autre peuple, ne pas dire qui est passé, non, Haïtien fait yon là-dedans. Et matin, étant que chrétien haïtien, nous sommes bien placés pour nous comprendre. L'idée que nous avons développé matin, dans la thématique là, dans le segment l'un l'autre, ça. Nous avons cherché l'image de Dieu dans nous, dans l'autre là. Et cette vérité, mes bien-aimés, est fondée sur notre respect envers tous les êtres humains, en honorant les autres, n'a découvert la valeur intrinsèque qui n'en yo en tant que créature de Dieu. Donc, thématique-là, invitez-nous et enseignez-nous de manière poignante et directe, mes bien-aimés. Mais inspirez la sagesse divine pour cette là et pour cette là et apôtre là. Et rappelez-nous de manière vitale à manifester l'amour de Dieu en nous, réciproquement, avec des preuves tangibles et authentiques, en tant que peuple choisi, membre du corps de Christ. Voilà, le plus facile, le bien-aimé, pour nous vraiment tomber dans le piège de la théorique pieuse, au lieu que nous voyons des paroles, l'audive, des mots d'affection et de bonnes intentions, sans que cela ne se traduise réellement par des actions concrètes. Maintenant, l'évangile là,
Depuis tant nous dans l'évangile, nous prier, nous prêché, il y a des paroles, yo pas venu, yo très familier avec nous. Moi-même, moi levé dans l'évangile là, moi-même dans le bas l'évangile là, ça veut dire que moi-même, ça veut dire que des demi-siècles depuis les petits à date de l'école dominicale, ça n'a pas les manifester chaque jour sur toutes les réseaux sociaux, nous avons un gourmet qui gagne entre pasteurs, entre fidèles. Ça dit que ce n'est pas à vous et à vous monter. Nous dormons à Jean, nous connaissons Jean. Et c'est Jean apôtre qui dit nous ça. Et moi-même, c'est Victor Matéan qui a parlé à Mgen Jean dans notre tour. Donc cet appel à aimer en action avec vérité nous invite à transcender les limites du discours superficiel. M'a regardé dernièrement une scène qui a produit sur les réseaux sociaux un jeune talent d'Inanti Lemoine, guitariste, un nègre qui a fait loin avec talent mon Dieu Bali pour faire l'église à louer ou regarder pour un détail et talent presque aller et ceci c'est pas car ça seulement n'a regardé un recrudescence des transferts des talents de l'église qui pour aller vers la communauté païenne c'est aussi parce que nous contentons à dire au courage passer maintenant tête yo dire au bon Dieu béni et au cas on prend les nègres dans la dimension de l'homme nous la joie guitare pour l'église la joie veille de nuit la joie croisade et puis l'on regarde vieux frères apparaître vieux cravate dans col chagrin vieux souliers dans pied le talon mange en bord pantalon soulier presque dépassant rencontrer ensemble. Et puis en face là, on va regarder un masque compact à ballon de $200 américains pour une soirée. Ah, si vous n'avez pas de courage, si vous n'avez pas de détermination, si vous n'avez pas d'appel. C'est ça que nous disons, courage ça, ouais, avec point d'exclamation ça, il y a un paquet de connotations si nous apprenons pour nous décortiquer de qui façon ou du courage. Nous avons fait tout le mois. N'a prêché ce courage chrétien, n'a pas fini. Mais pour comprendre courage, ça, faut que nous venions dans l'amour l'un l'autre, comprenions l'un l'autre, imaginions l'autre. Parce que c'est plus facile de dire courage qu'à plonger dans une compréhension plus profonde de ce qui signifie aimer selon le modèle de Christ. Et Jean apôtre l'a dit là, et Jean-Christ était prôné là, aimer en action signifie dépasser les frontières de nos zones de confort pour répondre aux besoins de l'autre. Et maintenant, permettez-moi de retourner à l'église primitive, j'en te fais ce même là. Parce que, vous savez, les chrétiens de l'église primitive, n'a fait l'un l'autre ça, ils savaient vendre leurs biens pour partager entre eux, pour qu'il n'y ait plus d'indigents, monde qui vivent dans l'itinérance, dans le temps. Parce que même le prophète Esaïe, ça, dans le chapitre 53, il dit il faut que nous hospital, faut que nous exercer hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvrez-le. Faites entrer chez vous les malheureux sans asile. Matéan, nous jouons, nous t'as supposé transformer nous et intégrer nos prophètes Amos qui a prêché sous droit de la justice sociale. Matéan, ouais, les chrétiens de l'église primitive, les anciens, ne se contentaient pas seulement de répéter courage. Point d'exclamation. Point à plusieurs connotations, j'aime bien dire noir. Comme vous le voyez, donc, mais
est capable de manifester d'une autre manière. Il est capable de manifester par des gestes symboliques. Qui est capable de marquer l'humanité. Il cède l'un l'autre. Signifie également tendre la main, connaître les besoins de l'autre, partager nos connaissances avec générosité ou offrir une épaule attentive à Silayo qui connaît des situations vraiment épouvantables dans la vie. Maintenant, on t'a ramené un autre réfléchir sérieux sur la thématique ça. Pendant entre nous, pendant Abdi l'autre là, soyez courageux. Mettons en attente des actes d'amour concrets. Qu'après la bonté de Dieu témoigne d'un coup de sa présence active dans nos vies. Aimer avec vérité, c'est ça. Après la dit nous, aimer avec vérité, ça nous appelle à une authenticité l'un l'autre. Cela implique d'être honnête et transparent dans nos actions, reconnaissant vraiment nos propres faiblesses, accordant de la même priorité, la même grâce aux autres. C'est ça l'amour véritable, parce que l'amour véritable ne se cache pas derrière un masque. On ne peut pas ignorer la vulnérabilité, nous, étant que l'homme, mais nous voulons que la gloire de Dieu brille dans nous. Nous voulons maintenant nous examiner par Olio pendant nos thèmes qui ont fini, nous prêcher, nous méditer sur eux, nous dire Amen. Amen, je l'ai dit, il y a une sorte de qui traverse nous. Amen, je l'ai dit, édification. Mais nous voulons examiner ces paroles aujourd'hui avec un coup de cœur. À la manière de cette exhortation biblique prônée par l'apôtre et les prophètes. On pose peut-être nos questions. Est-ce que l'amour non limité, seulement dans la parole, passer maintenant tête l'autre là, dit le courage, dit le bon Dieu béni, mais il doit manifester véritablement dans nos actions quotidiennes. Ce n'est pas par hasard. Nous prenons plusieurs exemples. Nous prenons ça qui a passé dans la société, ça qui a passé dans le cas adverse, ça qui a passé dans nous. On va supposer le même comportement avec l'autre monde qui a dit l'autre courage. Maintenant, vraiment, à chercher à être des canaux de l'amour divin. Maintenant, comme d'hab dit ma soeur, nous voyons notre activité et que ce texte inspire un changement profond dans notre amour véritable qui glorifie Dieu et transforme notre frustration en allégresse. L'abdou, soyez courageux, mais connaît que courage là, il veut dire, il veut dire, il veut dire, sachez que l'autre, c'est notre semblable. Tâchez de le reconnaître, tâchez de reconnaître la valeur de l'autre dans nos actions. Et c'est là ma propre matin. Shalom, shalom. Agréable journée, bon dimanche et bonne adoration déjà. Soyez courageux. Et ceci dans n'importe quelle situation. Amen. Amen. Gloire à Dieu.